Ça va les jeunes? Ouais. Ça dort bien ici? Nickel. Oh la forme? Ouais. Oh les têtes! Oh bah yon, eh, vous m'avez pris là le power? Ouais. Eh, bah... si j'ai besoin d'énergie, je fais comment? Bah vous en aviez pas besoin cette nuit. Faut qu'on regarde, c'est vrai? Vous êtes à combien de pourcents aussi? 94. Allez pas me la vider, hein, déconnez pas. Hier soir on était à 94. Vous avez besoin? Et on va essayer de faire un branchement pour la recharger avec les panneaux. Ce matin, vous avez vu ces réveils militaires avec Théo. Salut les bandits. Salut. Bienvenue dans la maison Fresh and Black. Black. Black and French and the Quechua, Decathlon de Théo et Julia. Et Lucie. Théo et Lucie. Excusez-moi. Excuse me. Heureusement qu'il n'y en a que 4. Hein. Maïs bandit. Est-ce que vous dormez bien dans votre tente? Ouais, ouais, ça va. Un peu penché? Ouais, mais ouais, ça me dérange pas. Si, des fois on glisse un peu du coup. Heureusement que t'as pas des draps en soi. Je pensais. Mais les matelas, ils dégonflent? Non. Ah. Mais juste le gros point négatif, c'est nos vêtements, ils sont humides. Non, moi je ah, pas. Bah il faudrait mettre une petite table. Mais de toute façon, la tente, on va la bouger un peu là. Vous serez, on la bougera et puis on la mettra mieux de ouais, niveau. On se mettra mieux. Non, ouais, mais c'est pas dérangeant qu'on soit penché comme ça. Ah bon? Il y a quoi? Hier soir, il y avait des limaces. Des limaces? Ah ouais, bah ouais, c'était vous les limaces. C'était ouais, là. J'avoue, c'était vous les limaces. Bon, bah c'est cool. Changement de guidon ce matin? Allez. Ouais. On a trouvé un nouveau guidon, les bandits. Avec la mésaventure d'hier et les pneus crevés, le clou, tout ça. On est revenu avec les nouveaux pneus. Et ça tient super bien la route. J'ai découvert une moto complètement différente. Je savais pas que c'était possible à ce point-là, quoi. J'ai l'impression qu'elle a plus de mal à prendre les courbes. Mais par contre, une fois que je suis dans la courbe, j'ai commencé à prendre un peu d'angle. Elle tient super bien, tu sais. Oh, puis tu sais, elle se contrôle super bien dans les courbes. Alors je sais pas si c'est parce que le pelot est neuf, ou je sais pas si c'est parce que c'est la forme du pneu. Le pilote Rod 6 de chez Michelin, qui est comme ça. En tout cas, je peux vous dire que... Ah, j'ai fait attention, parce qu'il y avait encore, vous savez, la paraffine sur le pneu. Et hier, du coup, le pneu, t'as vu, André? Je dis, c'est vrai, t'as raison, je dis le pneu. Et parce qu'André, elle dit, on dit un pneu. J'arrive pas, moi, je dis un pneu. Un pneu? Un pneu, voilà. Enfin, bref. J'étais en train de flâner dans le magasin, et je vois un guidon dans le rayon guidon. Je vois, oh, on dirait presque un guidon d'origine, ça. Parce que ça, c'est le guidon... un peu chinois que j'ai acheté sur Amazon, qu'on va essayer de renvoyer, tout compte fait. Ouais. Et en fait, regardez, c'est celui-là, mais dans l'autre sens, parce que là, sinon, il y a un problème. Non, tourne-le. Ça va, je viens de me lever, hein. Okay. Ouais, ça se voit. Tu vois? Il est un petit peu plus grand, mais pas beaucoup. C'est pas tout à fait la même... presque la même forme. Donc on va essayer de monter tout ça et voir si ça fonctionne. Les enfants, ils ont fait un petit coup de rangement. Là, on va ranger les mâles. Et ici, on va se faire une petite place pour poser la table qu'on a achetée. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Et puis demain, ouais, dans deux jours, tout ça, ça sera enlevé. Et on pourra commencer les travaux. Voilà. Tout doucement, on se met en place. On a des cales aussi à aller chercher pour le mettre de niveau, le bus. Ça sera plus pratique pour bricoler. Voilà, on se met en place gentiment, tout doucement. Il faut trouver ses repères. Charlotte, entre-temps, vous voyez pas tout ça, mais elle est en train de gérer tous les papiers, elle réunit les documents qu'il faut pour les agences, même pour les particuliers, elle est en contact avec des particuliers, elle est en contact avec des agences pour des maisons. Bon, tout ça, forcément, ça prend un peu de temps, et en attendant, il faut qu'on se mette en place ici, parce qu'il faut qu'on commence à avancer, c'est le but du jeu. On va pas attendre, imagine, on a une maison que dans 3 semaines, mais en 3 semaines, il y a moyen déjà de faire beaucoup de boulot. Oh, c'est parti aujourd'hui, on a été faire les courses avec Steph. Charlotte. Ouais, putain, comme. On est descendu au Vence. Regardez-moi ce paysage. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment très très joli. On connaît bien et depuis 15 ans ça a poussé. Ce que je disais à Steph, ça a poussé la verdure, on dirait. C'est dingue. Hein. Après, il y a beaucoup plus ici dernièrement. Il y a plus. Et ça promet. Il y a beaucoup beaucoup de balades à faire. Il y a les kayak, faut qu'on s'organise des journées kayak, paddle, kayak, vélo, plein de choses à faire. Ben, vélo, nous on n'a pas de vélo. On
rentre gentiment. Ensuite, on va décathlon avec Charlotte en moto. Ah oui, on va manger. Ah oui, il faut se réorganiser là avec les amis, tout ça. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que tu payes toutes les courses et on mange dans ton frigo? Comment on partage les saucisses, tu vois? Donc, le temps de s'organiser et de se mettre bien. On a acheté une petite table pour mettre dans le bus. Comme ça, de temps en temps, si on a envie de faire un petit truc à manger dans le bus, on peut aussi. Tu vois, c'est là le bois de paillolive à gauche, c'est là qu'on prenait. Et on est arrivé direct au camping là-bas. Oui, je sais, mais je te dis le camping, tu connais le camping? Oui. Ah, c'est oui, moi qui ai taillé les arbres au camping. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Je sais plus, c'est les rivières, voilà. Non, c'est pas celui-là. Tu peux pas le connaître. Il n'y en a qu'un. Il est caché, non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Mais tu il vois. A fermé ton camping, tu es venu. Mais non, je l'ai appelé il n'y a pas longtemps. Elle te fait encadrer. Je l'ai appelé il n'y a pas longtemps, c'était deux fois, trois fois l'emplacement. Ah ouais. Donc on a dit, oh, non, en fait, on venait parce que c'était pas cher. Mais là, ben voilà, tout a augmenté, hein. Le standing a dû augmenter aussi du coup. Donc, on va aller voir, ça serait marrant. Semaine, on va y aller, ouais, il y a de l'escalade à faire, il y a des chouettes balades, les enfants ils vont adorer. Il y a un passage où tu peux marcher sur les rochers sans tomber dans l'eau, mais sans corde, on fait tout sans corde. Et puis après tu arrives, il y a une sacrée balade à faire par là-bas. Ça existe encore. Bah oui, de toute façon ça c'est pas au camping, hein. C'est le bord de l'eau, donc ça appartient à tout le monde. Ça a disparu avec ton camping. T'imagines ? Disparu sous les flots. On va faire tout ça. Allez, on vous dit à tout à l'heure les bandits, on va manger. On va manger, on va épiter un bout comme il dit Steph. Hein? Le castal. Et puis on s'en va à Décathlon chercher une petite table pour faire les montages. Voilà. Parce qu'on a une chambre de luxe là-haut avec un grand canapé. Et on va mettre un petit. Vous savez les petites tables qui vendent à Décathlon? Les mini tables. On va mettre ça sur mes genoux et je pourrai faire mes montages à l'aise. Et regardez, est-ce qu'on n'est pas bien là? Mais ben non. Tranquillement, on mange. Et je cherche désespérément mon matériel solaire. Les fils, les cosses, etc. Ah. etc. Là, c'est que les trucs de palme et tout. Non, mais c'est dans les cartons. Mais non, j'en suis sûr. Dans les cartons, j'ai vraiment tout fait. Mais je ne trouve pas. Non, ça vient de chez Thomas. Ils sont les gros sacs. Ici. Tiens, regarde. Non, ça, c'est un casque. J'en suis sûre et certaine. C'est dans un gros sac, je l'ai non, vu. Non, c'est dans un carton. Qui était dans notre chambre, c'est je moi, crois. Moi, j'ai tout vidé dedans. Voilà, parce qu'en fait, on veut rallonger les panneaux solaires parce que... Bon, on a envie d'être autonome. On peut se brancher chez les amis, mais c'est pas marrant. On a des panneaux solaires, donc... on aimerait les mettre sur le toit. Seulement, c'est trop court. La pile est là-bas dans la tente et les panneaux sont là. Donc, je vais faire une rallonge avec du fil solaire. Et comme par hasard, le seul truc qu'on trouve pas... C'est le solaire, tu vois. J'ai tout fouillé. Je les ai vus. Et ça parle à Charlotte et à Lucie. Je les ai vus encore hier parce que j'ai cherché des trucs. Bah hier, j'ai fait que de chercher des trucs. Ouais. Mais moi, c'est dans les cartons. Et j'ai enlevé, là, c'était plein de câbles. Et bah alors, faut regarder les cartons Colis Plus. Voilà. Et là, tu sais qu'il va avoir raison. Bah c'est moi, sûr. Qu'ils sont dans les cartons. Oui, t'as raison. C'est bon. C'est voilà. Bon. Ça Allez, viens manger, chouchou. On fera ça après. Ouais, okay. Viens manger. Non, on est bien là, regarde. Sympa. Bon, la table elle est un petit peu loin, mais ouais, puis il y a le couloir, donc c'est pas pratique. On a mis un banc là, on a payé ça 30 balles et ça 30 balles aussi. C'était vraiment pas cher. C'est un bazar plus cool, tu vois. J'ai des outils ici, mais pas ce que je veux. Sylvie, elle serait là, elle dirait Jérémy, ouvre tes yeux de fille, dis donc, mémé, chope le poil. Voilà, on et savait. Regardez les bandits, j'ai acheté une salade parce qu'il y avait une fourchette qui se mangeait. Juste pour la fourchette? Bah y'a que ça maintenant. Mais c'est marrant, tu manges la fourchette. Mmh. Et j'ai acheté un pain parce que j'aimais bien comment il s'appelait. Ah ouais, il s'appelait... Pas son nom à lui. C'est comment il s'appelle? Donc, avec Lucie, on était sûr d'avoir vu les câbles. Non, et voilà. J'étais sûr. Moi aussi j'étais non, sûr. Non, toi tu me disais dans un sac, ouais, là, ça va, non, non, moi je te disais dans un voilà, carton. Voilà, on a tout déviré. Lucie a tout déviré, pardon, excuse-moi, ça va, excuse-moi. Et elle a trouvé les câbles. C'est ça que tu cherches, chouchou? Ouais. Donc la prochaine fois les gars, ouvrez vos yeux de fille quand vous cherchez. Regarde, regarde ce que j'arrive à trouver les yeux fermés. Bah voyons. Oh bizarre. Ouais bizarre, hein, t'es bizarre hein, tout ça. T'es trop bizarre. Jérém qui découvre les couverts mangeables.
C'est hyper dur, fais gaffe. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça a le goût de cœur de palme, on est d'accord. N'importe quoi. Non, tu laisses ma fourchette. Alors, n'importe quoi. Mais ça a le goût de cœur de palmier. Non, tu vois ce que tu veux dire, les non. Cœur là, comme ça. Pas du tout. Non, pas du tout. T'as vu bien sûr. Le genre de pain, un peu. Moi, j'ai pas réussi à trouver le goût, mais j'en ai. Ah, il y a un goût, les bandits. Non, c'est hyper dur. Moi, j'avais peur de me péter les dents. Des trucs qu'on fait. Ouais, c'est les petits biscuits secs là que t'achètes chez Mémé là. Ah, c'est pas les gâteaux à chien là, tu sais, qu'on achetait quand on était jeune, mais des gros paquets de 5 kilos là. Ah oui. Bah, moi je trouve que c'est une superbe idée. Ah, c'est une superbe idée, mais ils auraient pu faire aussi un emballage mangeable. Parce que là, ah ouais. Non, mais là c'est dans un sachet. T'as du plastique, bah ouais. T'as un carton, en bas est dans un sachet. Ah, j'avoue. Et la salade. Oh, mais ça fait... Et ta salade elle est dans un truc en plastique. Avec un opercule en plastique. Ouais, donc en fait, c'est du vent tout ça. Ah ouais, c'est. Bah non. Imagine 200 milliards de fourchettes en plastique en moins. Avec quoi tu manges ta soupe ? Une cuillère. Une fourchette. Ouf. Elle a dit une fourchette. Oh non. En fait, tu m'as tellement brouillé. Quand ouais. Je réfléchissais et j'ai dit une fourchette. Ah, vous c'est le goût de c'est un bon début. Mais il n'y a pas un endroit où ils font des bols à salade qui se mangent ? Il me semble que j'avais vu ça. Ah. C'était des desserts. Ah, peut-être. T'avais une gaufrette avec ta glace dedans. Ah oui. Cédric Grolet, mais ça coûte cher. Du quoi ? Cédric Grolet, je sais plus. Il fait des trompe-l'œil. Cédric machin là. Ah, le chocolatier. Cédric Grolet. Ah oui, le trompe-l'œil qui coûte 250 super cher. Euros le gâteau. Non, c'est un gâteau ? C'est un trompe-l'œil. Ouais, c'est des gâteaux trompe-l'œil. Mais c'est super ouais, mais c'est un trompe-l'œil, mais c'est quoi ? C'est une entrée, c'est un plat ou un non, dessert ? Non, c'est des fruits. C'est genre une pomme. Un trompe-l'œil à l'orange, mais c'est un gâteau, tu sais. Ah pourquoi oui, d'accord. Il trompe l'œil ? Parce que c'est. Parce que t'as l'impression. T'as l'impression que c'est une banane et en fait c'est un gâteau. Ah ouais ? Donc ça ouais, trompe ton œil. Cédric Grolet, voilà c'est ça. Grolet ? J'avais jamais. Ouais. Non, j'ai jamais. Non, c'est Cédric Grolet. Grolet. Moi je suis jamais sur les réseaux, Grolet. Tu rigoles ou quoi ? Regarde, je vais te trouver. Tu c'est connais dur, toi ? Hein. C'est vrai que c'est hyper dur. Tu connais toi ? C'est à Paris. Est-ce que tu m'aimes ? Ouais. T'as retrouvé ma clé de 12 ? Ouais. T'as pas été là-bas de... Bah j'ai été vider les poubelles en ouais, bas. Ouais mais tu l'as pas trouvé là-bas, j'ai été voir. Ah bah... Je vois, je fais... C'est bizarre, ça se trouve, il y a une voiture qui a roulé dessus. Dans l'herbe. Et ça fait pouf, dans l'herbe, j'en sais rien. J'ai tout fouiné sur le côté, parce que t'as le muret. Ouais. T'as les cailloux, puis t'as un petit banc d'herbe, de mauvaise herbe. Puis je vois un truc briller. Je fais putain, il y a sa clé ! Arrête, j'ai été voir ! T'as encore regardé ? Viens la ranger, regarde. T'as encore regardé ? Ouais, j'étais super triste, les bandits, parce bah ouais. Que c'est tout neuf. C'est tout neuf. De la dernière fois, je dis, oh non, j'ai déjà perdu une clé de 12. Voilà, regarde. Elle va retrouver son emplacement originel. Eh. Oh, merci ma chérie, t'es la meilleure des je femmes. Je sais. Tu pourrais faire pareil avec un logement ? En trouver un ? Ah, oh, Jérôme, arrête de mettre la pression, par contre. Il arrête pas de me dire, ouais, mais on n'a pas de maison. À chaque fois qu'il y a un truc, ouais, mais on n'a pas de maison. Bon, nous, on a fait une rallonge pour les panneaux solaires. Je suis soufflée. Et ça va être pas mal. Regardez ce que je vais vous faire à ma petite femme. Ouais. 8 balles chez Carouf. Et alors ? T'es bien dedans ? Ouais, elles sont vraiment bien. Vraiment. Ouais. Oh là, je vous ai pas montré les bandits. Mais j'ai allumé la plaque vitro, on avait ça dans les bagages. J'ai essayé la crêpière dessus. Bon, ben j'ai pas fait trop longtemps parce que j'ai rien à mettre à chauffer, mais la station d'énergie Alpower est dans la tente. On a 400 watts de panneaux solaires pour l'instant qui sont posés comme ça. On est en train de faire plein de tests et ça fonctionne super bien. J'ai mis à 5, ça tirait 1700 watts, donc la station a fait 2400 watts maxi, elle a emmené ça sans problème. Et là, ça s'est mis à chauffer beaucoup, donc j'ai arrêté. Donc voilà, si on veut, on peut se faire cuire des petits trucs et tout le matin. Bah, c'est cool, sans embêter les amis, tout ça, quoi. Voyons, on commence à prendre un petit peu nos marques gentiment. Bon, ils font vraiment que tout ça, ça vire, hein, bien entendu. Ça va pas rester là. Là, on va aller à D4 en moto, essayer de ramener une petite table de camping pour moi faire mes montages. Et on sera bien. Trop drôle. Mais on peut pas vous le dire. On non, peut pas... vous dire que c'est les novices. Enfin, les novices, c'est comme ça qu'on s'appelle tous. Mr. Tong. Voilà, catamaran Mr. Tong, vous savez, Nadège et Jeremy's. On vous dit pas pourquoi, mais non, j'ai hâte de voir la suite. Non. Oui, on a hâte de voir la suite. Bon, sinon... Moi voilà. Je viens de voir. Oui, on y va quand ? Tu me dis prépare-toi ma chérie, on y va. T'es prête ? Bah, t'es prêt ?
Ouais. Ah bah et oui. Toi, en tongue, regarde, tu vas y aller comment, en claquette? J'ai juste mes baskets à mettre. Ouais, c'est quand tu veux, moi. Tu me dis, oh, j'irai, moi, je suis sur la moto. Maintenant, parce que moi, j'ai tout préparé les papiers. J'ai tout préparé les papiers. J'ai préparé les papiers. Tu vas aller les donner au gars? Ah bah non, à l'agence surtout. Le gars, je sais pas où il est. Ok, et l'agence, il faut que tu y ailles? L'agence, bah oui, c'est laquelle? Faut que je regarde. Ah, j'en ai fait. On va à D4 et on va faire 2-3 agences. Bah, ça serait ça bien. Ça va ouais. prendre du temps, les agences. Il est 14h40, il est bientôt 3. Moi, je veux bien, mais. Bah, je m'en fiche. Faut pas tout faire. Tu vois, on va voir une voiture. On vous ah, a tu vois, il me dit oui, allez, faut trouver une maison. Bah, oui, mais tu me dis ça et à 3h quand il y a plein de trucs de prévu. T'arrêtes pas de bricoler depuis tout à l'heure. J'ai remis un peu le bus de niveau. J'ai retrouvé ta clé de 12. Ouais, elle a retrouvé ma clé de 12. J'ai un truc une... sur les dents, là. Ah non. Voilà. J'ai vu une clé qui traînait aussi dans l'herbe. C'est celle-là, c'est la même. Oh putain, mais t'es pas possible. Ah, t'as un truc. C'est une petite fourmi d'Ardèche. C'est pas grave, tu m'as fait peur, toi. Il y a des grosses fourmis noires ici. Hein. Ouais, elles sont énormes. Ah ouais, grave, elle te prend le doigt. J'ai dit, putain, il manque un doigt. J'avoue, elle est aussi grosse que ton petit doigt. Voilà, donc on fait quoi alors? Moi, je veux bien faire une agence, on va à D4, on revient, on va voir la voiture. Parce que là, on va voir une voiture à côté d'Avignon, on y va en moto, les bandits. Elle est trop loin. Mais il n'y a rien ici, il n'y a rien. Moi, ouais. Je désespère avec les voitures. Là, pourquoi c'est si dur? On a un peu augmenté le budget, mais pas trop. On est passé de 4000 à 14000. Mais non. Mais le gars... Non, on est passé de 3000 à 4000. Elle mais serait le propre. Gars... Ouais, normalement, il n'y a rien à faire dessus. Et le gars, il a mis sur l'annonce à négocier. Ah! Bah faut pas me dire ça. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et c'est un Scénic, c'est ça? Un récent hein? Ouais, il est 2010. Je voulais pas rouler en Renault, mais bon. Maintenant, tu sais, quand je vois les voitures, Renault, Volkswagen, toutes les marques, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Ce que tu vas voir, c'est un niveau de luxe et de finition et d'options, d'accord. Mais il n'y a plus aucune qui est fiable. Hein. Il n'y a plus de règles, voilà, c'est ça. De toute façon... Avant, tu pouvais prendre une vieille Renault, un vieux truc, tu vois, ça c'est solide, un bon de lithium D, tout ça, tu vois. C'était costaud. Maintenant, il n'y a plus aucune règle. Chaîne de distri ou pas, courroie, ceci, cela, boîte auto, boîte manuelle. Il n'y a plus de règles. Elles sont tout autant fragiles les unes que les autres. C'est de la loterie et de l'entretien. Ouais, donc, tu peux très bien avoir une Renault Scénic, 1 litre 9 ou 1 litre 5, on sait qu'il a des soucis. Tu peux très bien avoir une 1 litre 9 DCI qui fait 400 000. Regardez, il y a le 1 litre 9 DCI 120 chevaux. Il y a des voitures, elles ont passé les 400 000 sans problème, même 500 000. Hein. Après, règle, que tu peux ça roule bien une Renault, faut dire aussi. Oui, oui, oui. Nous, on avait eu un Scénic, tu te souviens, j'avais fait un crédit. Ouais, c'est vrai. C'était un essence 1 litre 6 parce que ce moteur est solide, ah, à chaîne, essence, le même moteur qu'ils mettent sur les Qashqai. T'es sûr, c'était un essence? Ouais, c'était un essence, un grand Scénic. Et voilà. Et il roulait bien. Mais oui, ça roulait bien. Celui qui dit ouais, non, Renault, la merde. Non, tu peux pas dire le contraire. Ça roule aussi bien qu'une autre voiture. Après, il y a peut-être un petit peu plus de bruit ou quoi, mais comme une Fiat et comme une autre voiture. Donc moi, c'est vrai que ça m'embêtait de rouler en Renault. J'aurais bien aimé rouler avec un véhicule un peu exotique ou quoi, mais c'est tombé, c'est trop cher. On a eu deux Volkswagen, une Passat et un T4. Plus que ça, on a eu plein de merde. Non, mais... On a eu des Audi, boîte auto, boîte manuelle. Oui, mais ceux-là, on n'a pas eu d'emmerde. Ah oui, c'est l'emmerde qu'on a eu avec la Passat et puis le T4. Ah oui, mais... Bah, je suis désolé, c'était Volkswagen. Non, hein. On a eu un T3, on a changé le moteur, les cardans, boîte de vitesse, on a tout changé aussi. Enfin... Oui, mais là, on savait que le moteur était mort. Et moi, je suis persuadé d'un truc, les bandits. T'en as, ils roulent en Mercedes ou en Volkswagen et tout. Ça valait beaucoup plus avant que maintenant. Ils te disaient, oh, moi, j'ai jamais de conneries avec ma voiture. Puis en fait, ils avaient déjà changé des pièces. C'est sûr et certain. Parce qu'ils ont leurs problèmes aussi, ces voitures-là. Est-ce que tu sauras la bricoler ou pas si elle est trop récente? Bah, tu branches la valise et puis voilà. Hein. Oui, mais si t'as, je sais pas, une distri à faire ou quoi. Ouais, distri, ça se fait. Ouais, non, c'est bon. Oui. Ok. C'est tout pareil. Parce que je sais qu'ils mettent des gros caches, des trucs, des machins inaccessibles. Non, t'enlèves les caches en plastique, c'est un moteur tout pareil après. Ah ok, parfait. Ouais, c'est juste là, il y aura peut-être un FAP ou un truc comme ça fait chier. Voilà. Je te dérange pas là? Elle est partie dans le sac? Non, elle est partie dans son panier. Mais elle a dû passer dans le sac. Elle est passée dans le sac. Alors, on va les mettre en hauteur parce que j'ai vu qu'il y avait le 4-quarts qui traînait par terre. Non, il y a sur, ouais, bah, sur le siège, ça va finir comment ça? Enlève-le de là, Chouchou Bandit va le manger. C'est du 4-quarts que j'ai acheté pour le petit-déj. Pas pour le Mais lui, c'est un vrai puits sans fond, là, le derrière la caméra, là. Ah, c'est hallucinant. On a des trucs à manger un peu partout. On va se coucher, on revient le lendemain. On dirait qu'il y a une femme de ménage qui est passée. Mais que sur les trucs à manger. C'est clair.
J'avoue, ce matin, il restait pas grand-chose à déjeuner. Ça fait ça. Ah, et j'ai dit... Il nage comme seul. Est-ce que t'as réussi à trouver un truc à manger? Il dit, ouais, il y avait une crêpe qui traînait, je l'ai mangée. Ok, vous savez, les crêpes... Waouh. Waouh, là. Et puis, je dis, ah, mais j'avais laissé un cookie aussi. Bah, mon cookie de la salle d'hier. Il dit, ah ouais, je l'ai mangé aussi. Et mon cookie de ma salade avec ma cuillère en... qui se mange. Mais non, mais... Parti. Il restait que ces deux trucs-là, il a même pas partagé. C'est un puits sans fond. Je te jure. Mais ouais. Non, mais je suis en pleine croissance. Bah, non, mais oh, c'est bon la croissance, tu fais 2m50. À un moment donné, faut arrêter quoi. Je pensais pas qu'il allait devenir si grand que son père. C'est ouf. Mais il a toujours pas ma force. Non, mais quand tu regardes veux. Justin. Bah, ses viens. Parents. Quoi bah, oh. J'ai dit quoi? Viens, t'as dit quand tu veux. Ah, ses bon parents, ils sont pas super grands. Ouais, c'est vrai. Puis lui, il est. Il est hyper grand. Bah là, Justin, il serait là, il frotterait. Oh, oui, non, bah, je rigole. Oui. Bah oui, toujours plus. Allez, on y va, on se motive là. T'as sorti la crêpe, Pierre, parce que tu veux faire des crêpes. Mais j'ai essayé, regarde. Oui, mais est-ce que tu veux faire des crêpes? Ouais. Ouais, mais là, le temps, il est. Je suis à 5. Et tout ça branché sur la Hall Power. J'ai montré, j'ai tout dit déjà. Et bah, je le redis. Écoute. Comment voilà. Comment ça se fait que tu fais pas de crêpes du coup? Il y a crêpes. Tu veux des crêpes? Il y a tout ce qu'il faut pour faire des crêpes. On est dans le sud, mais on est en Bretagne. Regarde la belle crêpière bretonne. Crampouze, bon on va éteindre parce que ça sert à rien. Chouchou. Ça c'est un pu. Oh, ah le tactile. En erreur. Voilà. Okay. Pas de problème, tu veux des crêpes, on va faire de la crêpe. On va faire plein de crêpes. Regarde, on va expliquer la recette à crêpes. Un de la farine, un saladier. Non, on n'a pas tout ça. On a tout ce qu'il faut pour faire des crêpes. Chut. Mais Steph... Ah oui, c'est vrai, il aime bien les crêpes. Il raffole des crêpes. Autant, c'est un sudiste, chaque... mais je peux te dire qu'il aime bien les crêpes. À chaque fois qu'on se voit, je lui fais au moins des crêpes, au moins une fois. Mais là, on peut dire qu'on a pas. On n'a pas de trucs. Je dis, regarde pas les vidéos. Tout. Chut, il arrive. Non, il regarde pas de toute façon. Bon, bah allez, tu t'habilles, on y va parce que Décathlon, là, je sens... Décathlon, agence ou pas alors? Ah c'est oui, moi, oui, tu ah me oui, dis oui. Où je vais, je on vais, va en agence, ça ferme à 19h, on a rendez-vous à 19h okay. Pour la voiture, en plus le gars c'est super tard. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Il est à poil. Et le gars il veut super tard, mais il est à 1h30. On va rentrer, si c'est ça, à 21h30, 22h avec dans une voiture. Mais on aura la voiture, non, il fera pas noir. Après, si on rentre en moto qu'elle est pourrie, et ben forcément, peut-être, on va rouler bien plus vite. Peut-être. Ah oui, les bandits, on n'a pas montré le guidon. Peut-être, si on l'apprend ou pas. Est-ce qu'on a montré le guidon ou pas? Je vous ai parlé de ça, les bandits, on n'a pas filmé. Oh là là, j'ai changé de guidon. Beaucoup mieux. Non, on n'a pas filmé, Théo. On n'a pas filmé, on a remis le guidon qu'on a acheté, qui ressemble beaucoup maintenant à un guidon d'origine de Kawasaki ZR7. Ouais. Et je vous ai pas dit aussi la mauvaise surprise, je joue avec les gars pour commander un support de Top Case. Ah ouais. Vous savez, le gros support qui vient prendre sous les carénages arrière, sous la selle, qui vous permet ensuite de fixer un Top Case. Ça j'ai la platine, cool, j'ai le Top Case, j'ai pas les clés, parce que je sais plus où elles sont perdues. Et il me dit, ouais mais ça prend là, je dis, bah j'ai pas moi le renfort ici. Je vais regarder quand ils étaient en train de changer les pneus. Ils ont coupé les renforts. Oh les cons, eh. Ouais, donc je peux pas mettre de top case. Ça, c'est très très embêtant. Parce qu'un top case, c'est hyper pratique. Pour Charlotte, derrière, ça lui permet de se tenir bien droite et tout. Et on c'est pourra surtout pas. Qu'on peut mettre des courses, on peut mettre plein de trucs dedans, quoi. C'est vrai que c'est pratique. Il est grand, regardez, il est là. C'est ma mère qui me l'a offert, ça, je le garderai toute ma vie. Non, mais celui-là, il est hyper vieux. C'est ma mère qui me l'a offert pour un anniversaire. Regardez, j'ai la platine dessus. Super grand, on met deux casques et je peux pas m'en servir. Alors ça c'est vraiment les boules, mais j'ai vu qu'il y avait peut-être un support qui se prenait sur les deux poignées. Ça ils ont pas enlevé quoi. Ah, tu sais dans le temps ils enlevaient tout, ils mettaient des guidons de cross, ils mettaient des poignées. Tu peux les accrocher sur mes poignets. Non mais c'est chiant, sinon je mets une barre, j'achète le support qui est pris sur cale-pied, le support qu'ils ont coupé et ensuite ça arrive là-haut et là tu peux mettre ton top case. Et ben au pire je mets support cale-pied et là je vais venir visser une petite barre où je la soude hein, sur le châssis, petite barre comme ça qui viendra prendre sur le support, tu vois. Ouais, bah, ça fait franchement ça fait suer quoi. Et j'ai pas vu ça les bandits que ça avait été coupé. J'ai vu qu'elle avait été tunée, le guidon de cross, les clignotants à l'arrière, mais j'ai pas vu que ils avaient coupé ça. J'aurais pas prise hein, sinon. Maintenant elle est là en tout cas, les gars ils ont dit c'est une sacrée bécane. Ah, bah, ça se fait plus, ça. Ah, avec collection, après, va valoir ça. Ça se fait plus et tout, c'est trop vieux. Je sais pas, tu sais quoi, j'en ai essayé plusieurs des neuves et je peux te dire qu'elle roule super bien et
Et moi, ça reste de la super bécane. Je suis super à l'aise derrière. Parce que franchement, on était chez Kawasaki. Je trouve que vous allez dire, si je me trompe, les bandits qui font des motos là, qui font de la moto, les nouvelles Kawa là, on dirait des. Je sais pas, elles sont toutes difformes. Elles ont une selle qui est rentrée comme ça. Je pense que c'était Suzuki. Non, non, c'était des Kawa, elles sont toutes difformes. Ça se fait. Quoi ce truc? Elles sont vraiment difformes, voilà. Et elles ont pas de ligne. Et ensuite, tu vas chez KTM. Et là, je dis, c'est quoi ce truc? Elles ont des. Elles ont les phares, on dirait le robot, tu sais? Le film avec le robot. Théo? Wally? Non. C'est un robot qui suit un petit bonhomme. Et il a la face toute blanche. Des Max? Non, c'est pas le truc grand. Ça. Il suit un petit gars et puis il a un robot, mais tu sais, on dirait un humanoïde. Ah, tu roules avec ça? On dirait trop cette face de robot. Je vais retrouver, je vous dirai les bandits. Il y a des bandits, je suis sûr, ils savent ce que c'est, ce que je veux dire là. Il suit un petit gamin, c'est un film, c'est pas un dessin animé. Il suit un petit gamin et il a une face toute blanche comme ça. Un peu aussi comme dans le film qu'on a vu il y a pas longtemps. Bah non, t'étais pas là. Est-ce qu'il a des yeux noirs comme ça? Non, ils ont pas de yeux, c'est tout blanc, je viens de te dire. Ils ont des têtes d'humanoïdes. Et ben les KTM, on dirait trop ça. Tu les vois arriver, tu fais ah, les humanoïdes. Oui, c'est Scream. Tu es. Le maître. Ouais, on a tous des traces avec le casque et celui-là, je sais pas pourquoi, il me fait une raie sur le front. Bah moi je l'ai reculé, t'as une raie sur le front. Quoi? Non, moi j'ai pas de raie. Voilà, on s'est arrêté du coup à Décathlon à Alès. Et ensuite on s'est dit, vu qu'on va sur Avignon, c'est la route. Pourquoi remonter? Ah ouais. On a dit on va descendre en 3 fois en fait, gentiment. Là on s'est arrêté à un Marie de la Chère. Faut dire qu'à l'Est, on a mis genre quasiment 3 quarts d'heure. Ouais. 40 minutes, 3 quarts d'heure. Et c'est clair, on n'allait pas refaire 3 quarts d'heure dans l'autre sens pour repasser après. Pour faire 30 km ici, ça prend du temps, hein, même en moto. Hein, t'as vu les bouchons, les voitures et c'est tout. Bah, en fait, c'est des petites routes, alors c'est pas évident de passer. Mais là, Marie Blachère, c'est la base quand on est dans le sud. Ouais, là, un scooter, ça aurait été bien. Oh. Ah, si je passais les vitesses tout le temps sans arrêt, regarde. Ah, ça va, ça va. Il faudrait chaque véhicule pour chaque situation. Il faudrait un véhicule pour chaque situation. C'est ça. J'espère que ça va le faire, le... Le Scenic. Ah ouais, arrête. En plus, il est couleur... Doré. Couleur pas beau, ouais. Couleur dorée, je crois. Ça s'en fiche. Ouais, mais quand même, chouchou. Tu sais quoi, tu vas rouler en Renault. Donc, t'es plus à ça près. Un temps sur ta tête. T'es plus à la couleur près, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, il y en a plein, des sans nom. Regarde. Là, vous avez un sans nom. Propre, celui-là. Souvent ils ont pas les mêmes feux, ouais. Mais il y a plein de sans nom partout. Mais grave. Donc là, récréos, quoi. Allez, c'est bon. Donc là, comme on a encore, on avait 60 bornes. Jérémy il a vu un Marie Blachère à 30 bornes, donc au milieu. Et on a encore 30 bornes à faire. Joindre l'utile à l'agréable. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire. Et moi, je suis chargée. Ah oui, on a trouvé nos petites tables aussi. Table Décathlon pour faire le montage et puis une autre pour. Elles sont trop pratiques, ces petites tables à 15 balles, franchement. C'est ça. Trop pratiques. Ouais, 15 balles, ça va. Voilà, bah écoutez, nous on va manger. On va se manger un petit peu. On se remet en direction d'Avignon, j'espère vraiment que ça va. On a de la chance, il fait beau. J'abandonne si ça va pas. Ah non, chouchou, mais non. Bon, si vous me voyez dans un véhicule, c'est que ça y est, nous avons acheté une voiture. Youhou! Ça sent le liquide de refroidissement? Ouais, bah je pensais que c'était la clim tout à l'heure. Mais en fait, tout à l'heure aussi, quand on est venu, ça sentait ça, c'est bizarre. Hein. Et ça en fait. Sent pas. Si, tu sens? Bah moi je le sens à l'intérieur. Sens, mets ta tête, tu vas voir. Et en fait, tout à l'heure je pensais que c'était la clim et j'ai tout éteint. Non, ça va, ça sent pas. Bah non, moi je sens là. Ta chauffe est normale. Bah ouais, ma chauffe est normale, j'ai vu, j'ai tout vérifié tout à l'heure. T'as regardé ta température et tout? Bah là, je suis même pas à la moitié là. Ok. Donc, mais tout à l'heure quand on est venu, j'avais des relents. Me demandais même si c'était moi. Moi j'ai pas de refroidissement liquide. Ouais. Mais, je sais pas, on dirait qu'il y a des relents de liquide. Non, mais je pense que c'est à l'intérieur. Oh, comme c'est beau là-bas. Ça, c'est vraiment, vraiment beau. Alors? Bah, ça roule bien. Je trouve que la boîte est dure. Ah ouais. Mais ça roule bien. Je fais des petites accélérations pour voir à peu près. Bah écoute, ça a l'air d'aller. Je sais pas trop. On verra. C'est pas super puissant. 130 chevaux. Mais Ah bah moi ma moto par contre j'ai l'impression elle fait double de puissance. Ah, tu m'étonnes. Oh, truc de dingue. Par contre tous les stores et tout ça me gêne, je crois que je vais les enlever. Ouais bah enlève-les, vas-y. Non mais ils sont dans le coffre. Bah,
Tu vois, ce, dans la lunette arrière, je trouve que c'est nul. Ok, ça c'est fait. Là, tout arraché. T'étais pas obligé de tout arracher, en fait. Hein? T'étais pas obligé de tout arracher. Ah, je pensais que t'avais tout arraché. Donc, ben... Hein? Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, c'est mieux. Ça roule pas si mal. Ça roule pas si mal. Ouais, un bon, bon coup de nettoyage. Ouais, voilà. Un bon coup de nettoyage. On tu les vois, a pris un peu au dépourvu, donc elle est sale. Ouais. Et mais écoute, pour l'instant. L'annonce, elle est arrivée, j'ai fait. Pom, pom, pom. Voilà. Ah, on était rapide. Hein. Il va bien, mon petit chouchou. Ça va, impeccable. Ça y est, on a trouvé une voiture. Déjà, un bon point. C'est cool. Il y a des trucs à refaire, mais c'est normal. Non, bah, c'est pas une voiture neuve, hein. C'est pas une voiture neuve. Ouais, j'ai enlevé toutes mes boucles d'oreilles, vous avez vu, c'était des grosses boules blanches et en fait, ça passait pas avec mon casque et je les perdais à chaque fois. Oh, c'est trop beau là. Ouais, c'est magnifique. Allez, à tout à l'heure, chouchou. Bah, si je veux, bisous. Je remets ma ceinture. Bah, c'est lui qui est en panne. Super. On est rentré les bandits, ça y est, on a réussi. Oh. Attends, mais c'est plus fort quand même. Il y a un petit peu de jaune, je pense. Oh là là. C'est compliqué, là ça caille. 300 km aujourd'hui, c'est pas grand chose, mais je l'ai senti passer là quand même. On a fait que 300 km. Ouais. Ouais. On a fait plus que ça. Ah, ah non, j'ai pas remis d'essence. Ah, ok. Et vers la fin, là, ça roulait super bien. Puis là, j'ai trois sangliers qui ont déboulé sur la route. J'ai pilé une voiture qui était de moi derrière. Elle a pilé aussi. Ouais, bah ouais. Après, toi, t'étais derrière ouais, la voiture. Ouais, mais j'étais un peu loin quand même. Et je dis, vas-y, passe devant, chouchou. Parce que là, je peux te dire que c'était du bon gros sanglier ouais. Qui venait de Corse, tu vois. Non, non, ils étaient énormes. J'ai dit, passe devant et moi, je reste derrière. Comme ça, je me mets en sécurité. Si jamais il y a des bestioles qui traversent. Sauf qu'après, on a eu de la pluie, du brouillard. Route comme ça de montagne. Oh là là. Bah moi, j'étais bien. Mais je pense à Jérém, je dis putain, il va être trempé. Non, ça le va. Brouillard, tu... Obligé pas de trop rouler vite, là, hein. Visière ouverte. Non, non. Bah en fait, c'était humide, pas humide. Ouais, humide, bah ouais. Pas humide. Ouais. T'as vu je sens putain. Adresser les pneus. Ouais, au top. Ouais, ils vont super bien. Bah moi, mais pas trop. Je fais hein, toujours attention, moi, quand il pleut. Quand je freine, moi, on savait, de toute façon, on a les pneus à changer, là. On le savait, de toute façon. Ouais, ça fait bon. Ouais. Bah, en fait, au milieu, tu sais, t'as le passager-conducteur. Ouais. Le conducteur, je l'ai mis à 23, il était froid. Et je monte à 24, mon côté, il était bien parfait, homogène, tout chaud et tout. Par contre, le passager était froid. Comme si, quoi, comme si que t'avais la clim. Trop bizarre. Ça se trouve, il y avait deux boutons
Il y a un bouton pour la droite et un bouton pour la gauche. Oui, il y a un bouton effectivement par la droite et la gauche. J'ai mis tous les deux à la même température. Autant vous dire les bandits que je fais pas de montage ce soir. Bah non, il est 23h bientôt. 23h. Hein? Bah non. 22h40. On va aller au dodo. Mmh. Je me lève demain matin tôt. Ouais. Et je vous prépare cette vidéo que vous êtes en train de voir. Voilà. Ouais, c'est autre chose à rajouter? Ça s'est bien passé? Non, nickel. On pensait pas partir autant de temps là, mais là. On va faire manger. On a la voiture! On a une voiture! Ouais, tape cool. Là! On a tapé ensemble! Si t'as pas joué, j'étais pas un peu bandit. Cool, on est hyper contents. Les deux petits sont déjà en train de faire dodo. C'était pas sans mal. Et vous, vous nous avez attendus. Bon, un bon coup de nettoyage à faire dans la voiture. Mmh. Bon, ouais, mais. Bon coup ouais, ça va, non? Ouais, ça va, franchement, ça va. Bah, après, il y avait les enfants, tout ça. Et... Ils avaient 5. Ils ont 5 enfants. J'ai puré, il n'y a plus fou que nous. Ils n'ont pas eu le temps de la nettoyer. Je dis, vas-y, c'est bon, on va pas refaire la route. Non, c'est mort. On prend comme ça et on va se débrouiller. Donc, un bon coup de nettoyage, une petite révision et c'est bon. Et heureusement qu'on a pris la moto parce qu'on a été bouché à Avignon et c'était une vraie merde. C'est vrai, hein? Là, c'était abusé. Pour l'aller, du coup. Ouais, pour l'aller, là. Là, j'aurais eu un scout, ça m'aurait bien plu. Ah bah ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas de confessionnal ce soir, c'est un peu le confessionnal. Ah non, j'allais dire demain matin, mais non. On peut dire que c'était un peu le confessionnal. Voilà. C'est pas de chose à rajouter. On s'est confessé sur la nouvelle voiture. Non, c'est bon. Non, rien à rajouter. Ça se termine bien. Voilà, pas d'accident, pas de mort, pas de glissade. Les enfants sont bien. C'est sûr qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident. Tout est OK. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse fort. Ciao, bye bye.